Vous avez peut-être pris des bonnes résolutions pour la rentrée, hein, pour après les vacances, pas tout de suite. Peut-être que vous avez envie de vous mettre au sport. Il faut choisir une discipline, il faut choisir pour vous ou pour vos enfants. Cet homme a peut-être une solution pour vous. Bonsoir Olivier Hochstetter. Bonsoir. Vous êtes co-responsable d'un événement qui s'appelle Vital Sport. Ce sera la rentrée, hein. On prend un petit peu d'avance. C'est ça. Le principe en deux mots, c'est ça se passe dans les magasins Décathlon, en Alsace, mais aussi dans toute la France. Voilà. Vous accueillez des associations sportives du bassin de population du secteur. Local, c'est quoi? Vous leur mettez à dispo l'espace et puis on peut venir essayer du football américain, du cheerleading, de la natation, du kayak. La plongée. Donc le principe, c'est un événement qui existe depuis 24 ans sur tout le territoire français, qui a été dupliqué aussi sur d'autres pays, puisqu'on a 1509 magasins dans le monde. Il y a le Portugal, par exemple, qui fait aussi des Vital Sport. Nous, on invite des associations sportives locales à venir initier tout le public gratuitement au sport dont ils sont spécialistes. Le principe, c'est vraiment de miser sur des valeurs d'accessibilité. Cette année, pour la première fois sur le Vital Sport de Guy Spolsheim, par exemple, on va pouvoir proposer du handisport et des sports adaptés, puisqu'il y a une notion de différence, alors que ça n'était jusqu'à présent pas représenté sur notre Vital Sport, en tout cas. Comment vous sélectionnez les associations? Vous les invitez, elles viennent, vous leur mettez à disposition les structures? Comment tout le monde, dans l'absolu, tout le monde peut venir dès qu'elles sont relativement proches qu'elles sont du secteur? À partir du moment où l'association sportive est locale, où ça peut aussi être un club de sport, on va pouvoir la démarcher et travailler avec elle pour proposer justement des initiations avec une certaine valeur de pédagogie, puisqu'on va vraiment mettre l'accent là-dessus, et d'accessibilité. Donc le principe pour du football, par exemple, ça ne va pas être de proposer toute la journée des matchs de football, mais de donner confiance en soi à chaque personne qui vient s'initier à ce sport. Ça s'adresse, on a dit, hein, aux enfants, pas tout petits, dès que les clubs les prennent, ça s'adresse aux adultes, enfin, y a pas de, et c'est gratuit, on l'a répété, il n'y a pas de, dans l'absolu, c'est ouvert à, dans l'absolu, c'est ouvert à tout le monde. Qu'est-ce qui marche en termes de sport aujourd'hui? Qu'est-ce qui est tendance chez les adultes, chez les jeunes? Il y a des modes aussi dans les pratiques sportives? On sait qu'on a en particulier sur le site de Guy Spolsheim des attracteurs, comme par exemple l'acrobranche, on va avoir la plongée, l'escalade, on aura cette année un mur de plus de 3 mètres de haut, l'équitation qui attire énormément. Donc on mise vraiment sur des sports qui sont la plupart du temps connus, et qui vont venir attirer sur le site le public, qui vont passer aussi devant des sports plus méconnus. Cette année, par exemple, à Décathlon Les Halles, dans le centre commercial, on pourra venir découvrir du Quidditch, ce sport qui a été connu dans le monde. Je sais que Anna est fan. Je vous avez fait reportage. Et oui, il y a un club. Vous êtes inscrite dans la foulée. Encore, mais qui non, sait. Ou alors du sabre laser, on voit vraiment des sports qui émergent avec leur fédération aussi. Ce sera un sport qui sera disponible à Guy Spolsheim, mais il y a aussi le football gaélique qui sera en initiation à Wittenheim, par exemple, Wittenheim et Mulhouse. Il y a vraiment tous ces sports qui marchent, mais on voit aussi chaque année des enfants et des adultes qui prennent plaisir à découvrir des pratiques méconnues jusqu'alors. Il y a côté challenge quand on organise ça, quand on est capable de mettre des coussins géants de Big Air là, pour le saut en BMX, des piscines entières sur le parking, des murs d'escalade. Enfin, c'est un... Le challenge chaque année, c'est de trouver des disciplines de plus en plus spectaculaires, de plus en plus c'est fun. Ça. De trouver en permanence de nouveaux sports pour attirer le public, mais également des qualités d'initiation qui pourraient intéresser tout le monde. Et il y a aussi l'aspect sécurité, évidemment, à envisager, puisque, par exemple, pour un mur d'escalade, il faut pouvoir trouver un mur d'escalade correctement pour pouvoir le mettre à disposition. On rappelle les dates, ça se passe à la rentrée? Le 7 et le 8 septembre. Je rappelle juste qu'on travaille avec des partenaires locaux, donc sur toute l'Alsace. Si un partenaire est intéressé pour travailler avec nous, pour travailler sur ses valeurs sportives, il peut contacter le magasin Décathlon le plus proche de chez lui. C'est-à-dire, c'est pas forcément des clubs sportifs hein, qui peuvent vous rejoindre. D'ailleurs, ça c'est complet, les clubs vous cherchez encore ou c'est déjà... Alors, c'est full, on est en train de boucler les inscriptions. C'est la fin. Par contre, effectivement, des partenaires qui veulent vous aider à mettre cet événement à disposition du public, ça c'est encore possible. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Olivier Hochstetter. On aura l'occasion d'en reparler à la rentrée.